T'as pisté la réaction qu'on attendait du côté des supporters niçois? C'est cette réaction qu'on attendait ce soir? C'est ce Nice qu'on attendait? Bien sûr. Malgré qu'on a, on n'a pas pu faire plus avec le ballon à certains moments, mais on a dû l'accepter à la situation, s'adapter. On a montré vraiment une équipe de guerriers, une équipe qui avait vraiment envie de bien défendre, de bien presser, de vraiment sortir de ces matchs avec quelque chose. Nous avons réussi et c'est très bien, surtout avant la trêve. Et comme ça, on se positionne bien pour les 8 derniers matchs. Vous étiez avant-dernier sur les 5 dernières journées. Sur les 5 dernières journées, avant-dernier, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Vous avez mis vos frangins sur la pelouse, c'était quoi? Non. Je pense que déjà, il y a certains matchs, je ne veux pas trouver des excuses, mais on a eu un peu la malchance. À gauche, à droite, décision arbitrale, mais ça, c'est humain, ce n'est pas vraiment une excuse. Mais après, on a manqué des réussites, surtout contre Montpellier. Oui. Et après, il y a des matchs qu'on a mérité, c'est tout. Je suis désolé. Contre Clermont, on n'était pas bon. Et contre Toulouse, on était bon à certains moments. Et dès qu'on prend un but, on a baissé les bras. Et ça, c'est inadmissible. Donc, ce sont certaines choses qu'on s'est remis en question quand même. Et on voulait impérativement retrouver cette niaque, cet esprit collectif, cette agressivité, cette envie de gagner des matchs, de gagner les duels. Et on a retrouvé, c'est très bien. Mais par contre, il faut garder ça jusqu'au bout de la saison. Tes mots, toi, personnellement, à tes gars en tant que capitaine, tu t'es jamais caché, tu as toujours été très transparent dans tes discours après les matchs, même dans les périodes difficiles. Comment tu as remonté tes gars, là? Bah, déjà, il faut être quand même très précis dans le discours, parce que y a certains moments qui prennent déjà la pression de tous les côtés. Il faut être positif, déjà. Il faut leur donner la confiance. Il faut revenir aux bases, c'est-à-dire faire le simple. Se concentrer, c'est qu'on contrôle, c'est-à-dire l'agressivité, les courses, faire les efforts un pour les autres, l'état d'esprit collectif, envie de gagner les duels, envie de jouer simple et envie de quand il faut tuer l'adversaire, quoi. Donc c'était plutôt sur ça. Ça sert à rien qu'à chaque fois on se tape dans la tête. À un moment donné, on a besoin quand même de voir le positif, et c'est ça que nous avons fait, et je suis très content de mon équipe qui a très bien réagi. Merci pour ce sourire et cette transparence. Bonne chance pour la suite.